Direction Clermont pour des joutes médiévales. Les fêtes dédiées à nos aïeux se sont multipliées ces dernières années. Combat, danse et vie quotidienne s'associent en une savante alchimie. Aaron Tanzit, Najib Benguezala. Âme sensible s'abstenir. Vous voilà transporté en plein combat entre deux vikings. Non, je pensais pas que ça allait être aussi violent, aussi réaliste. Franchement, c'est superbe à voir. Bouclier, casque, épée, l'équipement fait plus de 20 kilos et ils ne font pas semblant. Vraiment, c'est étouffant. C'est des vrais coups, des vrais combats, on se tape vraiment dessus. Voilà. C'est pas de la blague, c'est pas des épées en mousse, hein. On entend. Au parc Châtelier de Clermont dans l'Oise, durant deux jours, la fête médiévale a fait le plein. Allez, on pique l'adversaire avec l'épée, allez, vas-y. Du parcours là. Du combattant à la mini-catapulte. Pour les plus téméraires, la possibilité même de se frotter à un combattant de l'Empire carolingien. Le Moyen-Âge est à la mode, bien aidé par le succès des séries télévisées telles que Game of Thrones ou Vikings. En fait, les séries, ça entretient un petit peu une passion, un petit peu depuis l'enfance. Donc voilà, puis bah, les petits ont l'air de s'y intéresser aussi, donc si ça peut les aider un petit peu à accrocher aux futurs cours d'histoire qu'ils auront par la suite, pourquoi pas. Saint-Martin-aux-Bois, Senlis ou encore Marny-les-Compiègne organiseront leurs fêtes et marchés médiévaux dans les prochaines semaines. En 2019, vivre à l'époque des chevaliers continue de faire rêver, petits et grands.